Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour la vidéo bilan du mois de septembre. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 14 romans. Je sais plus trop la proportion, e-book, roman papier, enfin bon, de toute façon, on va voir ça rapidement. Pour revenir sur les challenges, j'ai commencé le challenge Les filles de Mrs. Bennet. Donc le thème était un inconnu débarque dans le voisinage. Le thème du challenge organisé avec Gwenlan, c'était donc la lecture commune. Et le thème du challenge organisé avec Nikita, donc pour la troisième édition, c'était la romance paranormale. Donc normalement j'ai réussi mes challenges pour ces trois challenges, je vais y arriver. Et sans plus attendre, on y va pour le bilan du mois. C'est parti! Que j'ai fait ce mois-ci est donc une lecture qui rentre dans mon challenge organisé avec Gwenlan. Il s'agit de Illumination de Rowan Speedwell aux éditions Milady dans la collection Slash. Alors ce roman, on voulait le lire depuis un moment avec les filles, on a décidé donc de faire une lecture commune. J'ai profité d'une opération qu'il y avait eu sur les plateformes de téléchargement, donc avec plusieurs Milady gratuits. Alors je sais pas si c'était un bug de Milady ou pas, en attendant j'ai réussi à l'avoir. Je l'ai fait en lecture commune avec Gwenlan de La Malle au Livre. Alors c'est pas le roman MM du siècle, c'était sympa, un petit peu lourd au début, mais heureusement ça devient vite assez intéressant. Cependant j'ai trouvé trop court et j'ai trouvé un peu léger. Donc pour cette romance là ce sera 3 étoiles. J'ai ensuite craqué sur hop là, Cette tombe et pas de corps, qui est le tome 7 des aventures de Charlie Davidson de Darinda Jones, toujours aux éditions Milady. Charlie, j'ai rien d'autre à dire, c'est le dernier tome qui est sorti à ce jour des aventures de Charlie. On la retrouve là où on s'est arrêté au tome 6, c'est toujours autant un régal de retrouver tous ces personnages. Reyes est toujours aussi Reyes, il n'y a pas d'autre mot. Bref, c'est un très bon tome, toujours dans la lignée des autres, c'est vraiment une montée en puissance de ces romans au fur et à mesure. Je suis vraiment pas déçue, plus ça va et plus j'aime la série. Si vous n'avez toujours pas fait connaissance avec Reyes, surtout n'hésitez pas. Et donc pour ce tome-là, comme pour les autres de la série, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite eu la chance d'être approchée par Amélie Larirache pour un service presse de leur publication. Et j'ai choisi Dame et Sven, l'inacceptable destinée. Qui est donc un spin-off de leur série Vampire et Rockstar. Donc j'ai toujours pas commencé hélas. Et qui est un roman MM. Ouais, encore. Celui-ci rentre dans mon challenge de Nikita, donc romance paranormale. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré ce roman, il était vraiment très très bien écrit, j'ai retrouvé le style des filles que j'avais déjà vachement apprécié dans Hors-jeu, c'est pas très joli vachement mais fortement apprécié dans Hors-jeu. Les personnages sont très très attachants, aussi bien Dem que Sven, avec une petite préférence pour Sven parce qu'il est plus calme en fait. Dem est complémentaire mais je l'adore quoi, c'est vraiment, vraiment une très très belle histoire. Pile poil la longueur était parfaite à mon goût, j'aurais vraiment aimé les retrouver dans d'autres tomes de la série, même si je sais qu'ils y sont pas, je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, enfin, c'est vraiment des personnages que j'ai adorés. Et donc pour ce roman ce sera 4 étoiles. Charlotte du blog Les Voyages Littéraires m'a ensuite conseillé Tu Assumeras Tes Désirs, qui est donc le 4e tome de la saga Red Room de Linda Hatcher, je sais pas comment on dit, publié chez Harlequin. Donc Red Room c'est une saga normalement hétéro. De romance un peu, c'est un peu bizarre parce qu'ils font du SM, enfin bon bref. Là c'est la romance MM. J'ai beaucoup apprécié ce tome qui est beaucoup plus soft parce que les personnages principaux, donc c'est, je suis incapable de me rappeler leur prénom, donc il faudrait que je regarde sur la chronique. Donc il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, qui est donc vigile, enfin il surveille les caméras de surveillance, et l'autre qui est trop mignon, il est vraiment très chou ce personnage, je l'ai beaucoup aimé, je sais plus comment il s'appelle mais je l'ai beaucoup aimé. Qui lui est escort boy. Ouais. Bref, ces deux-là vont se rencontrer, tomber amoureux. Enfin, c'est vraiment un très très bon roman. Et du coup, ils n'ont pas ce côté SM que peuvent avoir les autres personnages que j'ai découvert moi dans cet tome-là, mais qu'on découvre dans les autres. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette romance. Et c'est une très très bonne histoire. Et donc, pour ce tome-là, ce sera aussi 4 étoiles. Pour le challenge des filles de Jane Austen, j'ai commencé Petite Douceur de Donna Kaufman, donc toujours chez Milady, qui est le tome 2 du Cupcake Club. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le lire, et ça m'a un peu inquiétée parce que j'ai enchaîné en fait les romances MM, et j'avais du mal à repasser sur de la romance normale.
Donc ça y est, les filles m'ont dit qu'il fallait que je me fasse exorciser ou désintoxiquer. Je sais pas trop ce qu'il fallait faire, mais bon. J'ai mis pas mal de temps à le lire alors qu'il est quand même assez court. Enfin, assez court. 430 pages quand même. Bref. Voilà, c'est un roman qui est dans la lignée du premier tome, donc on retrouve personne. Enfin, si on retrouve un petit peu les personnages du premier tome en personnages secondaires, cette fois-ci on a l'histoire de Riley et de Quinn, donc qui vont encore une fois se découvrir, apprendre à s'apprécier, blablabla. Enfin bon, toujours comme d'hab, hein, les Cupcake Club, on retrouve toujours Cupcake Club, c'est hyper dur à dire. On retrouve tous les éléments qu'on aime bien dans ces romans-là. C'était une romance vraiment sympa et fraîche. Et une fois que j'ai passé le cap, je suis vraiment rentrée dans l'histoire. J'ai vraiment apprécié et je l'ai lu. Je l'ai fini assez rapidement une fois que j'avais passé le cap de la lecture MM. Donc, pour ce tome du Cupcake Club, qui est donc mon roman du challenge de défi de Mrs. Bennet, c'est donc 4 étoiles. J'ai ensuite enchaîné avec un autre service presse. Alors, les filles, donc Amélie et Maria, je m'en proposais le tome 2 de leur série Blood of Silence, Liam, qui vient de sortir, et je voulais lire le tome 1 en premier, donc j'ai lu, je ne sais même plus comment il s'appelle, Hurricane et Creed, qui est donc le tome 1 des Blood of Silence. Alors, En fait, j'ai voulu le lire parce que c'était le premier tome, mais je savais plus ou moins d'avance que je n'allais pas apprécier parce que toute l'intrigue repose sur un triangle amoureux. Et si vous me suivez, vous savez que je n'aime pas les triangles amoureux. Du tout. Je sais pas pourquoi je l'ai lu, j'avais envie de le lire. Donc, les personnages sont très intéressants. C'est un club de bikers un peu à la Sons of Anarchy, donc forcément j'avais des images de Jack Stellar dans la tête tout le temps. Je lirai le tome 2 parce que cette fois-ci il n'y a pas de triangle amoureux et le personnage de Liam donc, qu'on aborde dans le premier tome, qu'on évoque dans le premier tome avec Rita je crois, qui est donc la petite sœur de Hurricane, qui est donc un personnage du premier tome. Voilà, donc du coup j'ai envie de voir leur histoire à eux. Le tome 1 est très bien écrit, c'est comme d'habitude, on retrouve la plume des filles, donc avec plaisir. J'ai eu beaucoup de mal à lire à cause du triangle amoureux, le personnage féminin m'a exaspérée au possible, je crois qu'elle est dans mon top 5 des personnages à baffer. Heureusement pour moi, on a uniquement les points de vue des garçons, donc on alterne un chapitre de Creed et un chapitre de Hurricane. C'est mieux, hein, les points de vue des garçons, en règle générale, je préfère, donc c'était quand même plus agréable à lire. Je pense que je l'aurais même pas fini s'il y avait eu le point de vue de Tennessee, la fille. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, j'en ai parlé avec les auteurs et j'en ai parlé sur ma chronique. C'est un bon roman, mais moi j'ai vraiment eu un blocage à cause du triangle amoureux, et donc pour cette raison, ce sera seulement 3 étoiles. Sont ensuite sorties les nouvelles Sexy Rugby chez Harlequin et bien sûr j'ai craqué pour la nouvelle de Louisa. Il s'agit donc de Prends-moi à l'essai, donc de Louisa Méonis. C'est une nouvelle qui ne fait que 40 pages mais que j'ai tout simplement adoré. J'adore ce que fait Louisa, c'est pas nouveau, j'ai adoré les Lola et Louisa est une personne que j'aime beaucoup déjà en tant que personne, au-delà du fait de en tant qu'auteur, et elle m'a vraiment surprise sur cette nouvelle. Parce que c'est complètement différent de Lola et pourtant c'est tellement beau et tellement fort. Je pourrais pas vous redire tout ce que j'ai ressenti en lisant ces 40 pages qui pourtant on n'a pas l'impression qu'elles ne font que 40 pages. On a vraiment une histoire du début à la fin, le récit est découpé de manière à ce que ça soit de plus en plus prenant, que c'est très très fort. En quelques mots, elle arrive à nous faire ressentir tout un tas d'émotions, elle m'a fait pleurer. Merci Louisa. C'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Si vous ne l'avez pas lu, je ne peux que trop vous conseiller de la lire parce qu'elle est géniale. Si vous avez aimé Lola, vous allez forcément adorer Prends-moi à l'essai, même si ça n'a rien à voir. Et je n'ai pas lu les autres nouvelles, alors je vais en lire d'autres, hein, des Sexy Rugby. Je ne suis pas fan du rugby et pourtant j'ai adoré, c'est parfait, c'est tout simplement parfait. Et donc pour la nouvelle de Louisa, c'est 5 étoiles. J'ai ensuite lu Seulement pour lui de Heidi Cullinan et Mary Sexton, donc toujours chez Milady, toujours chez Slash, que je vais m'acheter en papier parce que j'ai franchement adoré. C'est encore une romance MM, oui je sais, je suis dans ma période romance MM. C'est l'histoire de Elle, qui est Emmanuel, dit Elle, qui est donc plus ou moins prêteur sur gage, hein, et de Paul, qui. Qu'est-ce qu'il fait? Il est assistant vétérinaire. Et donc, qui vont se rencontrer parce que Paul se fait plaquer par sa copine, enfin bref, il y a tout un échange, et qui vont apprendre tout doucement à se connaître et à tomber amoureux l'un de l'autre. L'histoire est vraiment très douce et très bien amenée, le style des auteurs est vraiment agréable à lire. J'ai adoré voir se construire la relation des deux garçons. Alors c'est court encore, ils sont vraiment courts les romans slash, c'est dommage, mais c'est un vrai régal, et vraiment une très très belle lecture qui m'a fait sourire, qui m'a fait pleurer, enfin un roman que j'ai vraiment adoré et que je ne peux que trop vous conseiller.
Et donc, pour Seulement pour lui, donc qui est le tome 1 de Tucker Springs en français et c'est le tome 2, je crois, en anglais, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu Young Elite de Marilu, pardon, aux éditions Castlemore. Donc Young Elite, c'est la nouvelle saga de Marilu, Marilu qui avait publié la saga Légende. Tiens, d'ailleurs, en parlant de Légende, il faut que je vous parle d'autre chose juste après. Young Elite, c'est de la nouvelle dystopie, c'est l'histoire de Adelina, qui est donc une jeune fille qui a survécu à une épidémie qui a ravagé tout son pays. En fait, plusieurs personnes ont été atteintes par cette épidémie, seuls les enfants ont survécu, et certains s'en sont retrouvés marqués. Mais marqués physiquement, enfin bon bref, c'est pas très drôle quoi. Alors, à la fin du roman, il y a les remerciements et la note de l'auteur. Je pense vraiment que ça aurait été bien que ça soit en début de roman, parce que en fait, Adelina est la méchante. C'est une méchante. Ouais. Pendant tout le roman, je ne savais pas ça. Du coup, je me posais des questions. J'arrêtais pas de me dire, c'est pas possible. Elle peut pas être comme ça. Elle peut pas être comme ça. Bref. Si, maintenant que je sais que c'est une méchante, et donc c'est écrit dans les remerciements, en fait, dans la note de l'auteur qui dit qu'elle avait envie d'écrire un personnage méchant, je comprends beaucoup mieux plein de choses. Donc oui, je lirai la suite en ayant en tête que c'est un méchant personnage. Et ouais, c'est pas toujours des gentils, les héros. Donc voilà, c'est vraiment... bien écrit, je retrouvais le style de l'auteur que j'ai apprécié, un univers totalement différent et pourtant, disais-je, très très bien maîtrisé, très, avec ses règles, avec son univers, avec tout ce qui va avec, avec des personnages attachants, même Adelina au final, quand on sait que c'est une méchante, elle est beaucoup plus attachante que quand on ne le sait pas. Bref, un roman qui m'a intriguée et où je lirai la suite sans problème. Un petit peu en dessous pour moi de Légende, et donc pour Young Elite c'est 4 étoiles. Ma copine Julie m'a ramené des États-Unis le graphic novel de Légende. C'est pas sorti en France, alors j'ai eu la chance de l'avoir. Il s'agit du tome 1 de Légende en version comique. Qu'est-ce que je peux vous montrer? D, bien sûr, c'est lui qui nous intéresse. Alors, il est où? Alors, vous avez June, ici, je sais pas trop si vous allez voir, et Dave bah, qui est juste à côté, qu'on a ici sur la couverture aussi. C'est vraiment le tome 1 en comique, qui est très très bien résumé, même si c'est trop court, enfin c'est toujours trop court pour moi de toute façon. Voilà, c'est juste ma dystopie préférée, je vous en ai déjà parlé, et c'était un régal de la retrouver en comique, même si ça s'est lu très très vite. Je ne sais pas s'ils vont faire les autres tomes, j'espère qu'ils vont faire les autres tomes, en tout cas il va falloir que je me débrouille pour les avoir. Mais voilà, c'était vraiment un petit coup de cœur, je n'ai pas fait de chronique et je n'ai pas mis dans mes lectures parce que ça se lit en 2 minutes quoi. Mais je suis bien contente de l'avoir dans ma collection, donc la nouvelle graphique de Légende. J'avais dans ma palle depuis un petit moment et j'ai hésité à le lire parce que comme j'ai enchaîné les romances, j'étais pas sûre de l'apprécier à sa juste valeur. Il s'agit du Chuchoteur de Donato Carissi. Alors, j'avais envie de le lire depuis que j'avais vu une vidéo de Margot Lizos, donc qui donnait ses conseils pour les achats pour Noël. Il me tentait bien, je l'avais dans ma palle depuis juillet et j'ai adoré. J'ai adoré, c'est vraiment un très 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 bon thriller. Alors ça n'a rien à voir avec mes lectures habituelles, on est vraiment dans quelque chose de sombre et de... un peu glauque d'ailleurs, c'est génial. C'est tout simplement génial, la plume de l'auteur est prenante, il nous amène dans son histoire, on voit pas du tout qui est le coupable, on se laisse prendre, on est surpris, on frissonne, j'ai adoré, c'est vraiment un très 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 bon thriller, je ne connaissais pas du tout Donato Carissi et je vais vraiment m'intéresser à ses lectures. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est un thriller et je veux pas vous spoiler, mais il est vraiment génial, les personnages sont super attachants. Voilà, après l'avoir fini, j'étais encore en train d'y repenser et parce que c'est tout simplement génial. Enfin voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est une très très bonne lecture. Et donc sans surprise, c'est donc un coup de cœur pour ce roman et c'est 5 étoiles. Vu que j'étais un peu à la bourre dans mes challenges, nous avons commencé avec Charlotte, la lecture commune de Beautiful Sacrifice de Jamie Maguire, qui est donc le tome 3 des frères Maddox et qui cette fois-ci va nous parler de Taylor. Taylor, c'est un des jumeaux, donc les jumeaux sont en deuxième après Thomas. Taylor et Tyler. Taylor qui est pompier et que nous avons vu avec sa copine donc Fallin dans Beautiful Redemption, donc le tome sur Thomas. Donc voilà, on s'est fait un petit peu spoiler dans le sens où on savait que Fallin et Taylor allaient finir ensemble. Maintenant il s'est passé pas mal de choses dans Beautiful Redemption qui faisaient que
Eh ben, on avait des sacrés doutes quand même sur comment ils allaient arriver ensemble. Ce tome-là est un petit peu en dessous du tome sur Thomas et Trent parce que donc dans les Beautiful machin, dans les frères Maddox en fait, c'est raconté du point de vue des filles. J'avais eu du mal avec Abby dans Beautiful Disaster. J'ai adoré Camille, j'ai surkiffé Liz, c'est vraiment des personnages féminins très très forts et que j'aime beaucoup. Fallin est un cran en dessous, Fallin est bizarre. Je sais pas, j'ai pas encore de jugement sur Fallin. Donc je suis mitigée avec ce tome parce que autant Taylor est vraiment très bien, il est super, c'est vraiment un des Maddox que j'aime beaucoup. Pas le plus parce que ça reste Thomas hein, et Trent. On revoit Trent, on aperçoit Thomas. J'aurais aimé le voir un peu plus. Bref, Taylor est chouette, mais Fallin est bizarre, elle lui fait des coups un peu tordus, et je... voilà, c'était pas... C'est bien, le style est toujours aussi plaisant, ça reste des Maddox, ça reste... On est super content de voir, de retrouver Travis, Thomas, Trent, les filles, de découvrir Tyler aussi, donc du coup par contre j'ai hâte de lire le tome sur Tyler, parce que la copine de Tyler, Ellie, a l'air vraiment bien, comme nana. Mais celui-ci est donc un cran au-dessous des tomes de ses frères et donc ce sera pour Beautiful Sacrifice. Donc il est en auto-édition, j'ai pas de maison d'édition. Ce sera donc, 4 étoiles. Le 25 septembre sortait chez Milady Après l'effort de Abigail Roux et Madeleine Urban, donc toujours dans la collection Slash. Abigail Roux et Madeleine Urban, ce sont les auteurs de la série Cunt and Run dont je vous ai parlé le mois dernier, que j'avais tellement aimé. On savait que ce roman-là allait sortir, du coup Charlotte nous avait conseillé les quatre premiers tomes de Cut and Run qui étaient donc en français par les mêmes auteurs, en attendant que celui-ci sorte. J'ai dévoré les 9 tomes bien entendu, et je me suis jetée sur Après l'effort le jour de sa sortie et je l'ai lu en quelques jours. Alors, c'est seulement 380 pages, donc encore une fois, c'est court, les romans slash sont courts, mais c'est une tuerie, j'ai adoré. J'ai adoré ce bouquin et j'ai retrouvé le style des auteurs que j'avais beaucoup aimé. Contrairement à Cut and Run où on identifie assez facilement quel personnage parle, là il y a des changements de protagonistes qui se font assez rapidement, donc on a un petit peu de mal à suivre. Par contre, ça permet d'avoir la même scène des points de vue de deux garçons sans se taper à chaque chapitre ce qui s'est déjà passé dans le précédent. C'est l'histoire donc de Brandon et de Jake qui sont coachs sportifs dans un lycée. Surtout Jake d'ailleurs, et Brandon va se retrouver à devoir l'assister en tant que prof pour l'équipe de baseball, un peu pas trop le choix parce qu'il manque du monde. Ils étaient au lycée tous les deux dans la même promo, et maintenant ils sont profs et ils se retrouvent, et ils vont bien entendu succomber au charme l'un de l'autre sans savoir que l'autre aime aussi les garçons, donc il y a toute une romance là autour qui est vraiment très 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 bonne. J'ai adoré et j'aime vraiment beaucoup, je sais qu'il y a d'autres romans slash qui sont prévus et je vais les acheter parce que j'aime beaucoup cette collection. Et voilà, c'est une histoire qui se lit sans problème, les pages s'enchaînent, les chapitres s'enchaînent, et on ressort de là avec un sourire aux lèvres parce que c'est vraiment une très très bonne lecture. Et donc pour Après l'effort, ce sera 4 étoiles. La fin du mois approchant, je me suis speedée de finir mes challenges. J'avais commencé, donc j'avais 3 ou 4 livres en même temps, j'avais commencé Lucas, le tome 1 des Loups de Riverdance, donc toujours chez Milady, donc de H.V. Gabriel. C'est une romance paranormale, c'est l'histoire de Lucas qui est, on ne sait pas trop ce qu'il est d'ailleurs, Lucas. Il n'est pas humain, mais on ne sait pas trop quoi. Il est poursuivi par on ne sait pas trop quoi non plus. Il y a quelqu'un qui veut le tuer, quelque chose en tout cas qui veut le tuer. On suit le point de vue de Lucas. Donc, alors non seulement il n'est pas humain, mais en plus il est gay. Donc il cumule un peu les tares, entre guillemets, ce qui le met en marge de la société. Et donc il fuit de ville en ville, comme ça il va finir par arriver dans une ville, je ne sais plus trop laquelle, où il va faire la connaissance de Léo, qui est donc un jeune homme qui joue dans le groupe, qui joue dans un groupe dans le bar où travaille Lucas. Et donc du coup, Léo va héberger Lucas, enfin bon bref, c'est vraiment une histoire longue. Et donc Léo va rencontrer Marcus, le père, non, Lucas, je confonds les noms. Lucas va rencontrer Marcus, le père de Léo. Et en fait, Marcus et Léo sont des loups-garous. C'est bon, j'arrive. Du coup, il va y avoir toute une histoire d'amour entre Marcus et Lucas qui est vraiment très très bien parce que Lucas est hyper... Enfin, il a 19 ans, ou 21 ans, on s'en fout, par là. Et c'est un gosse, c'est vraiment... Il a tout cet aspect jeune et impétueux que peuvent avoir les jeunes de cet âge-là. Marcus, lui, est beaucoup plus posé. Forcément, il a une trentaine d'années parce qu'il a eu Léo très jeune. C'est autre chose. Mais à l'opposé, il y a des passages où Lucas va soliloquer pendant des heures et des heures et se poser des questions métaphysiques hyper chiantes.
et qui sont vraiment bizarres par rapport au personnage qui est censé être un personnage quand même un peu foufou. Donc voilà, donc l'histoire en elle-même est très bien, j'ai bien aimé le côté paranormal et tout ce qui est créé dans ce tome-là. Le deuxième tome ça sera sur Léo mais plusieurs années après, donc je pense que je le lirai aussi parce que Léo c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'espère retrouver Lucas et Marcus dans le deuxième tome. Voilà, c'était un petit peu longué mais c'était vraiment agréable à lire, ça rentrait dans mon challenge Nikita. Et donc pour les loups de Riverdance c'est donc 4 étoiles. Au mois de novembre 2014, ma copine Letty Tinker du blog Lire ou Dormir m'a prêté L'empreinte du loup de Rhiannon Bird chez Harlequin. Et donc c'est une édition, c'est la collection Nocturne. Alors, ça tombe bien, c'est de la romance paranormale. C'est le tome 1 de la série Blood Runner. C'est l'histoire de Mason. J'adore ce prénom. Qui est donc un loup-garou, donc un Mason super viril, moi c'est juste parfait. Et qui va se retrouver, qui va faire la rencontre de son âme sœur, qui s'appelle donc Torrance, qui est donc une fille humaine. Alors, comme souvent, à partir du moment où tu rencontres ton âme sœur, ben c'est mort, hein, c'est plus que cette personne-là, un peu comme dans pas mal de bouquins que j'ai lus. Oui, dans Dem et Sven d'ailleurs, je reviens dessus, c'était ça que j'avais adoré, c'est qu'en fait ils sont destinés l'un à l'autre, un peu comme ça, donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as rencontré ta destinée, c'est mort, tu ne désireras plus que cette personne-là, sauf qu'aucun des deux n'est gay, ils sont tous les deux hétéros, forcément ils luttent très fort contre leur attirance et puis finissent forcément ensemble. Bref, ça c'était mon aparté Dem et Sven. Pour revenir à l'empreinte du loup, la même chose avec Mason, qui donc là, par contre, c'est une fille. Alors c'est un vieil harlequin, il date de 2009, donc on retrouve le mec super viril et la nana hyper faible. C'était chouette, c'était franchement chouette, j'ai adoré. C'est des vieux loups-garous à l'ancienne, genre ils sont humains, ils ont juste la tête qui ressemble à un loup et puis ils ont des poils partout, enfin... C'était chouette, c'était vraiment sympa, je pense que je lirai la suite parce que c'était rigolo que les personnages qu'on évoque là-dedans et qu'on retrouvera sûrement dans les autres tomes sont super intéressants. C'est vraiment... voilà, c'était agréable à lire, c'était une chouette lecture. Et donc pour l'empreinte du loup, ce sera 4 étoiles. Voilà, mon bilan du mois est maintenant terminé. On est le 1er octobre, ça veut dire aussi qu'on est à la fin du concours. Alors il n'y a pas eu beaucoup de participation, ça va aller beaucoup plus vite pour le tirage au sort. Je constate qu'à partir du moment où on vous demande de fouiller un petit peu, il n'y a plus grand monde. Hein. Donc du coup, je vous annoncerai les résultats très rapidement et je vous enverrai les lots dans la foulée. Enfin, j'attends de récupérer encore quelques petits trucs. Mes challenges du mois, le challenge des Miss... des filles, pardon, de Mrs. Bennett. Le thème du mois, c'est les personnages principaux se détestent ou en tout cas leur relation débute mal. Voilà. J'ai l'intention de lire Hot Love Challenge de Cécile Chemin que je n'ai toujours pas lu. C'est pas bien. Donc, je vais le lire. Le challenge de Nikita, c'est Young Adult ou Beat Lit. Alors là, voilà. Donc, comme je vous rappelle, le challenge de Nikita, c'est on essaye d'en lire un maximum. Je sais pas combien je vais en lire, mais bon, je m'inquiète pas trop. Je suis en train d'en lire un, c'est de la dystopie, mais qu'on peut ranger en Young Adult, donc c'est bon, j'en ai déjà un. Au moins, je serai pas abonnée d'Anne, enfin, quoique, faut essayer d'en lire au moins deux. Et le challenge que nous avons organisé avec Coralie, c'est donc du orange sur la couverture. Alors là, j'ai un petit peu plus de mal. J'en ai vu deux ou trois dans ma palle, sachant que j'ai une palle monstrueuse et que j'ai l'intention de la diminuer. Normalement, en novembre, je ne devrais acheter... Je ne devrais, on est en octobre. En octobre, je ne devrais acheter que un slash. Si je m'y tiens, c'est pas gagné. Voilà, donc j'espère que ce bilan vous a plu, j'espère que votre mois s'est bien passé, que toutes vos lectures se passent bien, que ceux qui ont pris les cours, ça s'est bien passé aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan. Salut !